on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 24 mars 2020. Toujours avec le tarot des quatre lunes et toujours avec le Maybe Lenormand. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi j'y vais. Eh bien, ça a été vite. Nous avons eu le 7 d'épée. Alors, par rapport à hier, je vous la montre. Par rapport à hier, le 7 d'épée, c'est pas. Elle n'est pas renversée. C'est déjà ça, vous allez me dire. Vaut mieux en rire, hein, parce que vraiment là, c'est. Donc, le 7 d'épée, pour moi, ça va me faire penser à une situation instable, à une situation où il y a comme une confrontation d'opinions. Arrêtez de regarder la télé, je crois vraiment. Arrêtez de regarder la télé. Ça me parle d'obstacles, ça me parle de rupture de rythme, ça me parle de rupture tout court. Hein. Ça me parle de fuir la réalité, de fuir la vérité, de petits arrangements en fait avec la réalité. Attention à ne pas vous reprendre le revers du bâton. En fait, ça me parle de fuite en avant. En fait, hein. Ça me parle de fuite en avant et que il peut y avoir aussi un petit retour de manivelle par rapport à une situation bien donnée. Hein. Voilà. Par exemple, si vous avez essayé de, on va dire, de tirer la couverture à vous ou de manipuler légèrement pour obtenir ci ou ça, quelque chose de pas grave. Le retour de manivelle peut être un petit peu violent par rapport à ce que vous avez pu faire ou la proportion de ce que vous avez pu faire en fait. Hein. Vous aurez peut-être l'impression aujourd'hui de pouf, voilà, hein, de se le prendre en pleine tête, de pas trop bien comprendre. C'est une journée qui, où mentalement, ce sera un petit peu compliqué, où vous aurez l'impression en fait qu'on vous a un petit peu, en fait que le bon sens est parti et que vous pouvez vous laisser avec le 7 d'épée, vous pouvez vous laisser envahir par une certaine soit illusion, soit colère, soit exagération. C'est comme si en fait on vous avait volé la logique de votre mental en fait. Le truc de. Vous savez, le bon sens, voilà, de se dire bon, allez, on va faire comme si. Ouais, la logique quoi en fait. Hein. Et pour moi aujourd'hui, il y a un peu un truc comme ça. Aujourd'hui, ça va être une journée mentalement où ça va être compliqué de garder la stabilité. Il peut y avoir de l'énervement, il peut y avoir pas forcément du stress, il peut, hein, mais pas forcément du stress, mais plutôt une forme de je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'ai envie de matérialiser. Là aujourd'hui, je sais pas, j'en sais rien en fait. Hein. Il peut y avoir un truc comme ça. On va aller voir avec le Lenormand. Ouais, bah c'est un peu ça en fait. Hein. C'est un peu ça aujourd'hui. On commence bien le tirage du Lenormand avec la clé, la solution qui est trouvée. Voilà, le truc plutôt sympathique avec la médaille. La médaille pour moi, c'est plutôt. C'est pas forcément les honneurs, le succès, la réussite qui nous tombe du ciel. Non, c'est quelque chose pour moi dans ce jeu-là. Encore une fois, j'interprète les cartes supplémentaires avec mon intuition. Pour moi, la médaille, ce qui transparaît d'elle, ça me fait penser à. Vous savez, la médaille de travail, la médaille militaire, quelque chose pour lequel on a travaillé, en fait. Hein. C'est pas un truc qu'on a reçu pour le plaisir, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qu'on a reçu. Et pour moi, du coup, avec la clé, c'est quelque chose qui nous sera apporté, une porte qui sera passée, un cap. Par exemple, une promotion, par exemple, le fait de récupérer le poste de quelqu'un, par exemple, qui est en arrêt, ou obtenir quelque chose dans son travail. Et, mais c'est parce qu'on, justement, on a fait des efforts, c'est parce qu'en fait, on a travaillé pour ça. Pour moi, il y a aujourd'hui, en fait, une espèce de charnière, de changement, de quelque chose entre ça et la suite du tirage, en fait. La cigogne, pour moi, c'est le changement, c'est la naissance. Et là, dans ce tirage-là, pour moi, c'est la charnière. En fait, hein. C'est-à-dire que oui, d'un côté, il y a ça, d'accord? Et la cigogne nous dit que oui, il y a un changement positif, mais que pour autant, ce changement ne nous paraît pas positif. Ce changement nous paraît lourd, nous paraît être un effort, nous paraît frustrant, nous paraît nous prendre du temps, nous prendre de l'énergie. On se sent peut-être finalement plus fatigué ou moins stable, en fait, que si on n'avait pas eu ce changement, en fait. Voilà, et pour moi aujourd'hui c'est un peu dans l'ambivalence, je sais pas, il y a comme j'obtiens et en même temps je sais pas, il y a un truc de mouais, en fait c'est du mouais aujourd'hui. Je vais recouvrir toutes les cartes.
encore, en fait, hein. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, on avait la clé, je recouvre par le jardin. Bah ouais, c'est un cadeau, un truc hors de notre cercle familial, avec les collègues, au travail, avec les amis, avec les voisins, peu importe, mais hors de notre foyer, hors de notre fort intérieur. C'est l'extériorité. Donc, on voit bien qu'il y a une solution, il y a un cap, il y a quelque chose qui est franchi, il y a. Ouais, une porte qui est ouverte, quelque chose. Et puis on voit bien que c'est grâce à votre travail et que ça apporte de l'abondance. Ça apporte de l'abondance, vraiment. On a la cigogne et donc le coffre-fort. Alors souvent on dit le coffre-fort, il peut être, ça peut être une rentrée d'argent, une perte d'argent, etc. Moi, ça va dépendre de la carte qui va l'accompagner. Là, en l'occurrence, elle est à côté des poissons et juste, elle recouvre la cigogne. Pour moi, ça va être une petite rentrée d'argent. D'accord? Ça va être un gain supplémentaire. Ça peut être, par exemple, une paye. Voilà, qui augmente, une petite promotion, quelque chose comme ça. Surtout quand on a vraiment, encore une fois, le tirage coupé, hein, encore une fois, même dans cette ligne-là, hein, la charnière, ça pourrait être le coffre, hein, avec d'un côté l'abondance de financière qui est issue de l'extérieur et de l'autre côté, émotionnellement, bah, une grosse perturbation, quoi, en fait, hein. C'est pas parce que financièrement, on se sent peut-être un petit peu plus sécurisé que de l'autre côté, on se sent instable. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui va nous inquiéter, c'est tout ce qui est à, tout ce qui, enfin, ce qui va nous rendre instable, c'est tout ce qui a trait à l'entreprise, tout ce qui a trait au salaire, tout ce qui a trait au travail, en fait, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les structures qu'on a mises en place, je vous ai dit peut-être les trucs où on se tire un peu la corde à moi, où je fais des. Voilà, je m'arrange avec un peu la réalité, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on nous dit il n'y aura pas de conséquences matérielles, il y aura sûrement une conséquence émotionnelle, en fait, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et puis bah, sur ce, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tirage, c'est-à-dire demain matin. Salut!